Bonsoir, nous voici à nouveau à Suciel pour vous présenter la dernière réalisation, une fusée double réservoir fabriquée à partir de bouteilles d'eau gazeuse du commerce, de 1 litre en fait. Voilà, la particularité de cette fusée, c'est qu'elle a, alors je vous la présente déjà dans un premier temps démontée, la particularité c'est qu'elle a un réducteur de débit. Donc je ne sais pas si on le voit bien à l'intérieur, mais en fait on a une deuxième bouteille à l'intérieur. Et sur cette deuxième bouteille, on a vissé un bouchon de liquide vaisselle, ce qui nous permet d'avoir un diamètre de 11 mm. Pourquoi cette solution? Simplement parce qu'on utilise une base à bouchon compressible et qu'il nous faut un espace suffisant pour pouvoir coincer la fusée sur la base. Donc cet espace suffisant, en fait, c'est le goulot de la bouteille. Et le bouchon diamètre réduit va, lui, venir s'emmancher sur le tube de lancement. Voilà. Donc le remplissage de cette fusée se fait par le haut. Hein, on voit bien la fabrication, c'est-à-dire qu'on a rajouté une pièce, un cul de bouteille, en fait, pour pouvoir rattraper le diamètre et adapter la coiffe au réservoir. Donc le remplissage du réservoir se fait par ici. Et ensuite, on a fabriqué deux coiffes différentes. Une première coiffe toute simple. Voilà. Toujours avec le même système de temporisateur. Et une autre coiffe qui, elle, va accueillir une case à équipement sur la partie supérieure. Et dans cette case à équipement, on y installe l'altimètre. Voilà. Avec toute la série de trous qui va permettre de faire une mesure correcte. Et toujours le système de temporisateur pour le déclenchement du parachute. Voilà, les coiffes une fois assemblées, ben ça donne ça en fait. Je vais essayer avec une seule main les assembler, c'est pas facile. Voilà. Et là on a une fusée assez sympa. Donc l'empennage, j'ai choisi d'y mettre 4 ailerons. Pourquoi 4? Ben, peut-être pour apporter un peu plus de stabilité, bien que 3 soit suffisant. Hein. Mais j'ai choisi de les faire un peu plus gros que d'habitude. Parce qu'en fait, cette expérience-là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein, comme une fois on a l'altimètre et une autre fois on n'a rien du tout dans la fusée, ça risque de modifier le centre de gravité. D'ailleurs, en parlant de centre de gravité, ben, on a deux positions pour accrocher le parachute. La position où la fusée, sans l'altimètre, ben, il faut qu'elle redescende à plat, enfin à peu près à plat. Là, on a reculé au maximum le collier de serrage. Et une autre position, celle qui est marquée alti, en fait, cette position-là, ben, on va ravancer le collier de serrage. Pour que la masse de l'altimètre soit compensée justement pour assurer l'équilibre de la fusée, qu'elle redescende à plat. Voilà la présentation. Maintenant, à essayer, comme tout ce que je fabrique en ce moment, il faudra prendre un temps aussi pour l'essayer. Voilà, je vous remercie. Au revoir.